Salut l'équipe, c'est Julien. Voilà, je suis très content d'être de retour derrière la caméra. Ceux qui me connaissent savent à quel point je kiffe le padel et voilà, j'avais envie de mettre en place un projet assez sympa pour aider à développer un peu le padel. Et donc je vais vous emmener à travers mes compétitions, mes entraînements, un peu mon quotidien autour du padel pour suivre un peu mon évolution dans ce sport. Là, je suis à Créteil, dans le Val-de-Marne, donc dans le 94. Bon tournoi à faire, un P1000, donc pour ceux qui connaissent pas, il y a 6 catégories de tournois dans le paddle, des P25 au P2000, et les P1000 c'est l'avant-dernière plus grosse catégorie, donc l'équipe gagnante, chaque joueur emporte 1000 points chacun. Pour ça, gros tournoi, en plus ça va être très très intéressant parce que je joue avec un partenaire, mon partenaire je le connais pas, je l'ai vu juste hier, on a fait un entraînement hier soir ensemble, ça s'est bien passé, donc c'est cool pour la suite. Mais j'ai jamais joué avec lui, il s'appelle Jérémy Maki, il est 102e français je crois. Moi je suis actuellement 146e, donc ça va être cool. On a un 16e de finale là dans une petite heure à faire contre une équipe qualifiée, voilà, je connais pas les mecs. Et ensuite si on gagne par contre gros match contre Adrien Maigret qui est dans le top 5 français et Pérou pareil top 5-7, donc ça va être hyper intéressant, j'ai hâte que ça commence. Voilà, je vais vous montrer un peu l'infrastructure. C'est au Fort Paddle de Créteil, les terrains sont vachement sympas. On va essayer de taper, je pense, un petit peu avant le match s'il y a des terrains libres. Match à 10h30 et ensuite c'est parti, je vais essayer de vous filmer quelques points. J'ai ramené mon trépied, ça peut être sympa. Allez, à toutes. Bon, l'équipe, on vient de finir notre 16e de finale, donc bon match, on gagne 6-2, 6-0 contre une équipe de qualifiés, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas leur placement. Bon match, on commence très bien, on a une 3-0 double break,
agressif, le mec donne beaucoup, donc ça nous met vraiment en confiance, ça fait plaisir. Mon partenaire commence bien aussi, il est solide, il a un gabarit plus petit que moi, donc lui vraiment, il est plutôt du genre à pas faire de fautes, il peut envoyer quand il faut, donc c'était cool. Moi je suis plutôt du genre à être assez offensif, assez agressif, envoyer pas mal en ce match, donc c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. On a eu une petite baisse à 3-0, on fait deux jeux moyens, il nous débreak une fois, il gagne en jeu de service, 3-2, et à partir de 3-2 par contre on s'est vraiment remis dedans. Et là les matchs, on a été vraiment au-dessus, on est resté agressif, solide en fait. L'objectif c'était clairement de reprendre le filet à chaque fois. À un moment donné, au milieu du premier, on s'est un peu perdu à vouloir jouer un peu plus tendu, prendre un peu plus de risques, alors qu'en fait il fallait vraiment passer par le haut. Dès qu'on a réussi à bien lober, à reprendre le filet, c'était vachement mieux. Moi je me sens très bien quand je suis au filet, quand je suis au fond, c'est plus compliqué. Voilà, bon petit match, bonne petite entrée en matière. Là, gros match maintenant en 8e, on joue la tête de série 1, je crois, Adrien Maigret qui est numéro 3 français avec Pérou, numéro 7. Donc ça va être sympa, j'ai hâte de jouer. Je pense que ça va être un de mes plus gros matchs. J'avais joué une fois Skatena, qui était assimilé numéro 1 français, qui va jouer avec un espagnol, mais là, N3-N7, c'est du costaud. Quand nous on est 146, c'est. Et 102 quoi. Donc j'ai hâte. Et bientôt 13h, on joue dans une grosse demi-heure. Donc voilà, on va aller si possible taper un petit peu. Et ensuite c'est parti. Donc j'espère pouvoir filmer encore un peu le match. Allez, à toutes.
Bon voilà, fin de journée, on a perdu notre huitième de finale contre Maigret et Pérou. On a pris 6-2-6-0, on s'est fait défoncer. Les mecs ont été hyper agressifs, voilà, c'est une belle expérience. Moi, je joue rarement des mecs de ce niveau-là, donc c'était quand même cool. Ouais, on s'est fait vraiment prendre de vitesse tout le temps. Moi, je jouais à droite, dans ma diag, j'avais Pérou. Très déstabilisant parce qu'en fait, il joue vraiment très souvent long de ligne. Et franchement, c'était vraiment déstabilisant. On n'a jamais su quoi faire. Premier set, on commence plutôt bien. On se fait breaker à deux partout, je crois. Et après, on court après le score et on met plus un jeu du set. Maigret très solide, très, très agressif. Des vibrates dingues, franchement, ça allait vite. Et Pérou, il met de l'intensité tout le temps, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et surtout, il joue vraiment beaucoup long de ligne. Et moi... Moi du coup à droite, j'avais pas beaucoup de balles à jouer. C'était compliqué un peu de faire la différence, surtout que dans l'équipe on va dire que je suis celui qui est censé finir un peu plus les points. Donc c'était compliqué, on n'a jamais su trouver la solution. Dans le deuxième, on essaye de mettre un peu de jeu vraiment très fort, enfin de pratiquement 90% des balles sur Pérou. Ça n'a pas vraiment fonctionné, il repartait long de ligne, du coup compliqué de rejouer tout le temps long de ligne. Mon partenaire a raté quelques volets qu'il a pas mis en confiance. Les autres ont vraiment, tout de suite quand il démarre bien, tout de suite ça les a mis en confiance. Ils ont été hyper agressifs sur mon partenaire et moi et sur moi aussi. Et en défense, c'est pas là où on est les meilleurs. Donc voilà, logique, on prend une branlée. Ça fait du bien de prendre une branlée des fois. Au moins, on sait ce qu'on doit bosser, donc c'est cool. Ensuite, match de classement, du coup, une sorte de consolante avec tous les perdants des huitièmes de finale. Et là, par contre, on fait des bons matchs, format différent, des sets de 4 jeux. On gagne nos 3 matchs de classement. Donc, on gagne le premier, je crois qu'on galère dans le premier. On doit perdre 4-2, après on gagne 4-0, 10-2, je crois qu'on déroule. Meilleur match. Et dans le deuxième, on joue une paire vraiment solide. On joue une paire solide avec deux mecs, un ancien joueur de tennis qui a été moins 15, je crois, et un autre joueur qui a été top 60 au paddle. Donc non, très solide. On s'en sort 4-2, 4-5. On perd au tie-break le deuxième. On est mené 7-3 dans le super et on s'en sort au final. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. On gagne 17. Ça, c'est belle victoire, ça fait plaisir. Deux mecs franchement qui jouaient très bien. Un mec agressif gaucher dans ma diagonale, donc j'aime pas trop jouer les gauchers. Très agressif, ça défendait pas mal pour un mec qui avait pas trop l'habitude de jouer au padel. Et en face de moi, donc joueur de gauche, pas très puissant, par contre très propre, pas de faute. En volée, c'est solide. Donc non, une paire compliquée, on fait un bon match. Et donc place de 9 à 10, on va dire la petite finale de la consolante. On joue un pote à mon partenaire, son coéquipier habituel, qui joue avec un mec de Paris, qui joue bien. Au début, c'est assez serré. On décide de faire le 2-7-2-6 jeux pour la petite finale. Assez serré. Un petit incident où je touche l'homme. Je fais un smash, je touche le mec. Il a un peu mal et au final, on break par la suite, on break juste après. Je sais pas si ça a joué, peut-être. On s'en sort 6-2, 6-3 dans le premier. Et deuxième, je crois qu'on gagne 6-2. Donc là, vraiment, je trouvais qu'on était un peu au-dessus des mecs. Moi, j'ai réussi à être agressif.
J'ai fait quelques matchs en par 3. Et mon partenaire a été solide. Il a été beaucoup plus efficace au filet aussi. Il s'est arraché. Donc c'était cool. En tout cas, c'est quand même un bon tournoi. On finit 9e. Donc 9e sur un pèse 1000, on prend 440 points chacun. Donc c'est pas mal. Je pense que ça va me faire gagner quelques places. C'est cool. C'est cool de prendre des places comme ça. Sachant qu'au paddle, les classements sortent tous les mois, le premier lundi du 15e jour du mois. Donc après le 15e jour du mois, le premier lundi sort les nouveaux classements. Donc j'espère prendre encore quelques places. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va être récup parce que maintenant, on a fait 5 matchs. Et là, je suis complètement fracassé. 5 matchs. Récup demain. Semaine prochaine, j'ai tournoi de tennis. Et ensuite, fin août, une belle petite prog avec P1000 de Nîmes, suivi d'un P500. Donc P1000 le samedi, voire dimanche, si on joue très bien. Et P500 le dimanche, donc ça va être très sympa, j'ai hâte, il faut que je m'entraîne un petit peu encore, parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, ça s'est un peu ressenti. J'étais pas au meilleur de ma forme, même si j'ai plutôt bien joué dans l'ensemble. Voilà, on va retourner s'entraîner et hâte de faire les prochaines compètes. Thank you.
Voilà l'équipe, j'espère que le suivi de cette compétition vous aura plu. J'espère avoir mis un maximum de points intéressants. Je suis encore en train de chercher quel est le meilleur angle de vue pour filmer les matchs. Voilà, je sais pas trop ce qui a été le mieux, n'hésite pas à me le dire. Même moi, je regarderai vraiment ce qui a été le plus beau à regarder, en quelque sorte. En tout cas, c'était quand même un bon tournoi. Je remercie mon partenaire Jérémy. T'as été grand quelquefois. tu t'en rappelleras. On a pris une bonne petite branlée, mais ça c'est le jeu. Hein. Pas de chat sur le tirage. On joue direct à N3 et N7. L'écart est un peu gros, mais c'est le jeu. C'est le jeu. On finit 9e sur un P1000. C'est sympa. On a pris du plaisir. On a fait des beaux points. Il y a eu de l'intensité. Il y a eu des beaux matchs. C'était cool. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée, fin de soirée. Moi, là, je rentre vite chez moi, faire ma récup, je suis rôti, je vais dormir. Et on se dit à très vite. Allez, bye.